clé d'un bout du stade à l'autre, mais dans une salle comme ça, c'est bien de prendre le temps plus tranquille. Je viens de France, je ne sais pas si ça vous intéresse. J'habite dans un petit coin de Mayenne. Ça commence à devenir plus compliqué. Ça, c'est juste en dessous de la Normandie et avant la porte de la Bretagne. Chez nous, on appelle ça le paillasson de la Bretagne, de la Mayenne, parce que c'est ouvert. Mais c'est parce qu'il pleut, c'est tout. C'est très joli. Je vous remercie pour cette belle invitation. C'est un honneur pour moi d'être là, un honneur et en même temps une pression. Ce n'est pas l'exercice que je préfère. Je préfère être sur la plage avec des gens, écouter les vagues, regarder les oiseaux. Mais je m'y prête bien volontiers parce que, je vous le redirai, mais le militantisme est un élan qui part du corps. Et moi, j'ai des choses à dire. Alors, je prends des micros assez régulièrement, même si je ne passe des exercices. D'autant que c'est un thème qui me passionne, dans l'éducation au dehors. Sans doute que mon histoire de prof de PS n'est pas pour rien. Vous verrez que j'attache une grande importance au corps dans l'éducation. Et mon propos va dérouler à partir des sciences de l'éducation. J'ai refait ma thèse, j'avais plus de 30 ans. C'était parce que j'étais animatrice de classe de mère, que je voulais comprendre comment ça se passait, les relations entre les enfants et le milieu, que j'ai repris des études en sciences de l'éducation. Et ça m'a ouvert des portes évidemment considérables sur psychologie, sociologie, anthropologie. Les belles sciences de l'éducation sont sans doute les sciences les plus transversales, parce qu'on est fait de toutes les disciplines autour de la question d'éducation. Et alors en plus, quand on parle d'éducation comme moment formateur tout au long de la vie, là tout peut être éducation. Faut que je commence, sinon je ne tiens pas les demi-heures, la demi-heure. Donc, de l'importance des expériences physiques, justement, dans l'éducation à l'environnement. Et je voulais faire un petit préambule avant d'entrer dans l'éducation par le dehors, dans les risques que nous avons en éducation à quelque chose. Et en éducation à l'environnement, on n'y échappe pas. Le risque, c'est de réduire l'éducation à un paradigme utilitariste. L'éducation à l'environnement a une longue histoire, qui était d'abord une éducation dans l'environnement, par l'environnement, où on emmenait les jeunes, les enfants, les élèves, étudier leur quartier, étudier le milieu, aller voir les papillons directement dans les champs, mais sans pour autant avoir en arrière-fond pensée des problématiques environnementales. Et au fur et à mesure que les problématiques, les problèmes écologiques se sont révélés, on a réduit un peu l'éducation à l'environnement à une éducation de résolution des problèmes d'environnement. Et on oublie ce qu'est l'éducation en étant juste dans cette posture-là. Sa seule visée serait à résoudre les problèmes, son objectif, changer les comportements. Et puis, on serait exclusivement à l'approche behavioriste, ce qui est une vision plutôt aliénante de l'éducation, plus proche du dressage que de l'éducation. Je pense que ça vaut le coup de le rappeler. Ce paradigme utilitariste, là, mais il joue sur la peur. Il faut changer, sinon on va tous mourir, on va droit au mur. Et la peur n'est pas forcément bonne conseillère. Chez les adultes, elle provoque le refus, le déni, l'indifférence. Après moi, le déluge, mais les scientifiques vont nous sauver, les techniciens aussi. Chez les enfants, elle provoque une hyper-responsabilisation et un horizon bouché. Comment faire de l'éducation quand on ferme l'horizon des jeunes face à l'avenir? Et puis une dépression généralisée, dit Jean-Pierre Boutinet, psychosociologue. Il se rend compte que dans ce contexte-là de surmédiatisation d'une crise, normalement la crise c'est court, nous ça commence à faire 30 ans qu'on dit qu'on est en crise. Ça veut dire qu'on n'est plus en crise en fait, qu'elle est permanente, et ça provoque une dépression généralisée dans les sociétés. C'est un fort influence culpabilisateur et manipulatoire. C'est une prise de pouvoir sur l'autre que de jouer sur la peur. Et puis ces critères sont le rendement et l'efficacité. Je ne sais pas vous, mais nous, on nous demande à évaluer qu'au bout d'une heure et demie, on a changé les gens. Que tout le monde sait maintenant ce qu'il faut faire dans l'environnement. Que tout le monde est conscient, que tout le monde est sensibilisé, que tout le monde a changé ses comportements.
Ça, c'est pas de l'éducation. Enfin, en tous les cas, c'est pas ma conception d'éducation. Et puis, ça peut servir des enjeux politiciens plus qu'éducationnels. C'est ce qui se passe de temps en temps. Il y a des sociologues qui critiquent fort l'éducation à l'environnement dans son histoire, en observant qu'avant, elle était sur une posture de résistance et d'innovation, et qu'aujourd'hui, elle est sur une posture de « j'accompagne des politiques parce que j'ai besoin de leur argent ». Mais je ne les devance plus. Être éducateur, vous le savez tous, mais c'est bon de le redire. Parce que l'éducation à l'environnement n'est pas que les environnementaux. On est aussi, peut-être d'abord, des éducateurs. Avec ces deux conceptions de nourrir, du savoir, d'information, apporter, et puis d'accompagner hors d'eux. Donc d'amener à sortir de l'état d'enfance pour les enfants, d'un état de mal-être, d'un état de dépendance, d'une situation inconfortable. Finalement, éduquer, c'est accompagner un être au monde dans sa croissance, pour l'aider à grandir. Et un être au monde, on grandit tout au long de la vie. On devient grand, non pas parce que d'autres sont petits, mais on devient grand parce qu'on se sent bien dans son identité, dans sa relation avec la société, dans sa relation avec l'environnement en général. Quand on a trouvé sa place, et puis ses bonnes relations avec soi-même, les autres, les choses, comme les appelait Jean-Jacques Rousseau. Or, notre système d'éducation actuel est un produit de la modernité. Peut-être Christophe nous en a parlé un petit peu hier soir. Produit de la modernité qui est basé sur le modèle séparatiste. On a séparé les choses, on a séparé l'objet du sujet. Et la philosophie, la science ont été sur ce modèle-là. Hein, quand on regarde quelque chose, il faut surtout oublier sa subjectivité. La subjectivité, c'est pas une blouse qu'on enlève quand on rentre dans un laboratoire et qu'on pense sur le porte-manteau. On garde à l'intérieur de nous. On a séparé l'esprit et la matière. On voit bien ça dans l'éducation. Quelles sont les filières d'ordre? Ce sont les filières intellectuelles. Les profs de PS, c'était les filières de la matière. Le corps, le mouvement, il y avait la tête et les jambes, moi, quand j'ai commencé mes études. Mais c'est parce que j'étais intéressée par l'être global, justement, que j'ai quitté prof de PS pour devenir animatrice de classe primaire. On a séparé la raison des sentiments, en reconnaissant des sentiments comme seule source de folie, d'erreur, d'errance, alors en oubliant tous les sentiments positifs. Et évidemment, on a séparé la culture de la nature. Comme dit Edgar Morin, l'homme aujourd'hui se croit surnaturel, surplacé au-dessus de la nature. Ça a provoqué l'illusion de notre indépendance vis-à-vis de la nature, et donc avec, par conséquence, tout ce qui s'en est suivi, de répercussions sur la nature, sur l'environnement, voire sur les autres. Parce que quand on est séparé des choses, quand on n'en a même plus conscience, on se sent plus responsable, on se sent plus solidaire, on se sent plus relié avec ça. Je pense qu'il nous faut changer de paradigme éducationnel. Je pense qu'il nous faut revoir totalement notre système d'éducation. Éducation formelle, éducation non formelle, éducation informelle. En essayant de combiner non plus seulement société et individu, et dans l'histoire de l'éducation, il y a souvent eu de l'attention à est-ce qu'on met en place une éducation qui aide un être à s'épanouir, ou est-ce qu'on fait de l'éducation qui aide un être à s'insérer dans la société et à participer à la société. Ça a souvent été une tension dans l'éducation, là, avec des postures, toutes les postures intermédiaires possibles, en oubliant ce troisième pôle de l'écologisation. C'est-à-dire qu'on ne partage pas le monde qu'avec des êtres humains, on partage le monde aussi avec des êtres non humains. On a largement oublié qu'on n'était pas seulement formé par les autres, ou formé par soi-même, mais qu'on était aussi formé par le monde physique. Jacques Rousseau l'écrivait dans son livre « Émile ou de l'éducation hein, » déjà il y a quelque temps. « On a 3 mètres dans notre vie », écrivait-il. « Sa nature personnelle, et plus on vieillit, et plus on est en possession de ce qu'on a envie d'apprendre ou pas, de ce vers quoi on a envie de se former, de ce vers quoi on a envie de devenir. On est aussi formé, et majoritairement par les autres. Le petit bébé, il est complètement soumis, dépendant à l'autre. » Et c'est en grandissant qu'on apprend à être un peu indépendant, ou en tous les cas autonome.
mais jamais totalement séparés. Ça, c'est le gros poids de l'éducation. L'hétéroformation, c'est le gros poids de l'éducation. Et on n'a pas étudié comment le monde physique aussi, le monde des animaux, le monde des végétaux, le monde des minéraux, l'espace, les paysages, pouvaient aussi participer à nos identités. Et ça, c'est ce que Gaston Pinault a appelé, dans les années 1980, les co-formations. Il en a fait un modèle tripolaire de l'éducation permanente, où on est tous, tout le temps, en train de gérer nos auto-hétéro-éco-formations. L'éducation à l'environnement, partant de ces constats-là, est donc une éducation au monde. Pas simplement au problème d'environnement. On n'a pas appris à marcher en écoutant une leçon sur les lois d'équilibre. Mais c'est pareil pour l'environnement. On n'apprend pas les choses de l'environnement pour construire son être au monde exclusivement en écoutant des leçons sur l'environnement. Même si ça nous donne de l'information, ça ne suffit pas. Accrocher, savoir. Les sens sont nos outils à fabriquer du sens. Là, je vais dérouler la place du corps dans cette éducation-là. Le corps grand oublié, hein? Je pourrais vous faire bouger, mais j'y ai pas trop pensé, et vous le faites suffisamment dans la journée, je crois que c'était déjà pas mal hier. Mais pourquoi est-ce qu'une salle de classe ressemble à des bureaux avec des chaises derrière et puis où on ne fait travailler que le lien entre les oreilles et le cerveau, un peu les yeux? Pourquoi tout le corps ne participe pas? On le fait avec les tout-petits-enfants, mais en grandissant, il faut que les corps soient bien raisonnablement assis derrière des tables. Or, les sens nous permettent une intériorisation du monde à l'intérieur de nous. Ce sont nos premiers outils de compréhension et d'absorption du monde, les sens. Il nous invite à une mise en ordre particulière du monde. C'est-à-dire, le monde, c'est une multitude d'informations, et c'est nos sens qui vont les organiser. On ne va pas tout voir, on ne va pas tout entendre, on ne va pas tout percevoir. On va faire des choix, et ça va s'organiser dans notre cerveau à partir de ces flux d'informations qui transitent en nous. Et David Le Breton, cet anthropologue alsacien qui a beaucoup travaillé sur le corps, dit même « je sens ». Donc je suis, non pas je pense, donc je suis. Le corps, premier médiateur de notre rapport au monde, je disais, permet un enracinement physique de la pensée. Notre pensée n'est pas quelque chose qui flotte au-dessus de nous, là, elle est complètement incorporée à notre être dans sa globalité. Il nous permet une appropriation du milieu dans son ensemble. Quand on fait la différence entre regarder un film sur les océans ou être sur un bateau, on pourrait nommer les différences de sensations. Hein? Ce n'est pas la même chose. Regarder une éruption volcanique à la télé. Et il y a 15 jours, j'étais en intervention sur l'île de la Réunion. Le volcan de la Fournaise s'est réveillé. Je ne l'ai pas vu. On est monté. 3 heures de randonnée dans le brouillard, la pluie. Le vent, les sons qui montent au travers les parois des pitons, j'ai pas vu le volcan, mais c'est comme si je l'avais senti au milieu des éléments. J'en avais vu des photos de volcan. Bon, ouais. Mais quand on est dessus, ça change tout. Ben, je vous dis ça, moi je parle à des convaincus là, hein. C'est. Ça développe le sentiment d'habitabilité, d'appartenance. Quand on arrive dans un lieu nouveau, il faut qu'on se l'approprie pour s'y sentir bien, pour se sentir familiarisé avec l'espace, pour ne plus s'y perdre, pour aller d'un endroit à un autre sans calculer combien de temps ça va me mettre, par où il faut que je passe, est-ce que je traverse ici, est-ce que je traverse là-bas, est-ce que je prends plutôt mon vélo, ma voiture. C'est le corps qui va dire, ça y est, je me sens ici chez moi. L'espace approprié contribue donc à l'identité de l'individu et procure le sentiment de sécurité. Et l'espace approprié, ça veut dire avoir un propre à soi, c'est donc bien par le corps. Le corps, lieu d'accueil et d'échange avec le réel, va produire un monde d'images, c'est-à-dire toute notre gestuelle, tout ce que l'on va faire, toutes les sensations qu'on va incorporer, vont former des schèmes dans le cerveau. Et ces schèmes-là vont participer à la fabrication de nos images mentales, et de nos représentations.
c'est parce que nous avons un corps que nous avons des représentations mentales. Et c'est à partir de ces représentations mentales qu'on peut construire de l'intellect, un regard abstrait sur le monde, un regard conceptuel, une pensée sur le monde. Ces trois niveaux-là, sens, geste, mouvement, image, représentation, c'est le monde intermédiaire des images, et abstraction, intellect, sont totalement liés. Ça ne veut pas dire qu'à partir d'un certain âge, on ne peut pas comprendre des choses sans les avoir vécues. Mais ça veut dire quand même que c'est parce qu'on s'est construit corporellement qu'on peut se fabriquer ces images-là avec des informations même pauvres. Ça va? Je m'arrête un peu parce que s'il n'y a qu'une chose en fait à retenir, c'est ce schéma-là. Les sens sont éducables donc. On n'est pas le même si on est en Europe, en Asie, en Afrique, simplement d'abord parce que nos sens ne perçoivent pas les mêmes choses, notre corps ne va pas percevoir les mêmes choses. Et donc on va apprendre des sons, on va apprendre des odeurs, de la même manière que plus tard on va apprendre une langue, on va apprendre des concepts, on va apprendre des notions. Les sens sont éducables, sauf que si on ne nous met pas dehors, eh bien on réduit la richesse de cette éducation-là. L'éducation à l'environnement doit intégrer la sensoridiversité, la sensorialité et culturelle. Je me suis arrêtée un tout petit peu, j'ai pris le temps de m'arrêter un tout petit peu sur les cinq sens, justement pour montrer l'importance qu'ils ont et pour qu'on réfléchisse avant nos actions à est-ce que là c'est la vue, est-ce que là c'est les sons, est-ce que là c'est que nous apporte. L'écologie de l'espace va un peu mélanger tous les sens, mais ça vaut le coup de s'y appesantir dans notre société moderne modélisée sur la vue. D'ailleurs, cherchons les métaphores dans le langage pour l'intelligence, la compréhension, c'est la vue qui est utilisée. Hein, quand on demande à quelqu'un s'il m'a compris, on dit « tu vois ce que je veux dire ?» Par exemple. C'est le plus complexe des sens, mais c'est aussi celui du jugement immédiat. On arrive quelque part, on regarde, ça y est, on voit. Et donc, on sait. La vue souffre d'évidence. La vue souffrant d'évidence, ça veut dire qu'il faut travailler à affiner le détail, à affiner la diversité, à affiner la perception du regard. C'est le sens de la distanciation. C'est le sens qui nous donne les informations les plus lointaines. À plusieurs kilomètres, en bonne condition météorologique pour la vue, sans avoir un mur devant nous, sans être dans le brouillard. Sens de la distanciation qui va bien à notre Occident, qui va bien avec la pensée séparatiste. Les étapes cognitives de la vue, c'est d'abord voir, puis regarder, puis observer. Ça, on le fait très souvent. Louis est immersion. La vue, on peut fermer les yeux. Louis, même si on a mis des bouchons d'oreille, on a encore quelque chose à écouter. Le silence n'existe pas. C'est d'ailleurs révélateur que dans notre société, on dise, quand on s'en va dans la nature, ça fait du bien le silence. Il y a plein d'autres sons à écouter. Hein, ça veut dire qu'on est pollué par toutes les sonorités technologiques urbaines de nos modes de vie. Ce matin, il y avait bien le coq, les oiseaux, mais il y avait aussi, j'ai l'impression qu'il y a des avions, une ligne d'avion qui passe, non, au-dessus d'ici, là. C'est dur de trouver des lieux où on n'entend plus ça. Louis vit dans la surabondance. Et dans cette surabondance-là, la rumeur de la voix humaine est celle du lien social. Quand on randonne en groupe, il nous faut du temps avant qu'on ne se parle pas. Un groupe de randonneurs, là, 20, 30, 40 personnes, on les entend arriver de loin, hein. Ça papote avant d'être en ouverture sur les sons autres que les sons humains. C'est pas simple de faire de la randonnée, même pour des gens qui aiment marcher dans la nature. Mais la voix humaine empêche
justement d'écouter les autres sons. Parfois, j'oblige au silence quand je fais des activités dans la nature, surtout avec des adultes. Qu'est-ce que tu fais à manger ce soir, toi? Oh, tu reçois tes petits-enfants. C'est l'expérience qui parle. L'odorat détermine l'ambiance affective de l'espace. Un endroit où ça sent pas bon est un endroit qu'on ne va pas apprécier. Ça lui donne une morale, l'odeur, dans un espace. Un endroit qui sent bon est un endroit qui va avoir une belle morale. Difficile à nommer les odeurs. On a du vocabulaire pour le son, on a du vocabulaire pour la vue, on a du vocabulaire pour la texture. On n'a pas de vocabulaire propre à l'odorat. On utilise les autres sens. On va chercher des analogies aux autres sens. Ça sent la rose, ça a une odeur forte, ça a une odeur fruitée. Là, c'est le goût. Ça a une odeur de pipi de chat. Et là, c'est le phénomène. Piquant, et là, c'est le toucher. Lourde, et là, c'est la densité. Mais on a été incapable, en tous les cas dans notre langue, je ne suis pas allée voir ailleurs, on a été incapable de nommer. On a été obligé que d'utiliser de l'analogie. Ça vaut le coup de le travailler. L'odorat est composante majeure de nos imaginaires, dit Gaston Bachelard, de nos images mentales. Elles sont des petites veilleuses dans la chambre des souvenirs. Retourner dans la maison de vos grands-parents, une odeur de cuisine, une odeur de café, une odeur de... Et hop, là, c'est comme la petite Madeleine de Proust, sauf que c'est pas le goût, c'est l'odeur qui réouvre tout un monde que vous avez déjà vécu. Le souvenir ressurgit d'un coup. C'est d'ailleurs justement ça qui nous prouve qu'on a incorporé les choses en nous. C'est quand on retrouve des espaces desquels on s'est éloigné, des lieux desquels on s'est éloigné, et que ça nous revient d'un coup dans la figure, c'est ça qui nous dit qu'on les a incorporés en nous, ces éléments-là. La tactilité, celle-là, c'est l'indispensable sens sans lequel on n'est pas longtemps à vivre ou on souffre énormément. On est emmailloté complètement dans le réel. Et la tactilité, ce n'est pas juste ce qu'on touche avec la main, c'est aussi ce qu'on perçoit avec l'ensemble du corps, quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il fait humide, quand on sent de la tension dans un espace, ou au contraire de la légèreté et de l'ouverture. C'est le sens de la plus grande réciprocité. Toucher, c'est se toucher. Toucher quelqu'un, c'est aussi être touché. La vue, sens de la grande distance, le toucher, sens de la proximité. Mais par peur du microbe, et notre monde moderne anesthésie, toucher, on va se salir, on va attraper des maladies. Et donc il faut surtout pas toucher. Le goût, ben, c'est avaler le monde, hein, au-delà même de la métaphore. Ce que l'on mange, c'est le monde que l'on mange, et on devient ce que l'on mange. Symboliquement, on devient ce que l'on mange. C'est le sens de la plus grande intériorisation. C'est le sens, sans doute, de la vitalité première. Avoir faim, c'est avoir envie de vivre. Plus avoir faim, être dégoûté, c'est ne plus avoir le goût de la vie. Ça développe donc un imaginaire fusionnel. Je vais y revenir sur les imaginaires. Et enfin, le mouvement, qui est aussi un sens, le sens kinesthésique, hein, avec tous les capteurs que l'on a dans nos muscles, dans nos articulations, un peu partout dans le corps, y compris à l'intérieur de nos organes, et bien ça nous traduit la pente, le virage, ça nous dit s'il faut qu'on se penche devant, derrière, à droite, à gauche, comment est-ce qu'il faut qu'on lève le genou, on n'a pas besoin de penser quand on monte un escalier, une fois qu'on a acquis ça. C'est énorme le travail que fait le corps pour s'adapter à l'espace. Et évidemment, plus l'espace qu'on propose aux enfants est plat et sans aspérité, moins ils apprennent à vivre dans la diversité des sols et des espaces. Et plus ils tombent quand ils arrivent sur un sentier de montagne, sur des rochers de bord de mer.
Paris. J'avais eu un instit qui était né à Paris, grandi à Paris, qui n'aimait pas la campagne, donc qui allait peu faire la randonnée. Et quand on allait crapahuter sur ces gros rochers là, où sont les enfants en bas, ces gamins, ils étaient loin devant, et lui, il fallait que je l'aide à monter, descendre, marcher. Il était handicapé parce qu'il n'avait pas appris à marcher en situation inconfortable. Les sens vont nourrir donc l'imagination, je vous disais. Hein, c'est parce qu'on va bouger, je ne vais pas regarder le temps, j'ai peur que je n'aille pas très vite. Ils vont nous aider à mettre donc du sens sur la vie et sur le monde et à construire nos images mentales. L'imagination va favoriser notre sentiment d'implication dans l'existence. C'est parce qu'on a développé une imagination qu'on se dit appartenir à l'ici et à maintenant, au monde tel qu'il est aujourd'hui. On se sent impliqué, plié dedans, implicare, plié dans le mouvement du monde grâce à l'imagination. Elle nourrit la reliance entre le visible et l'invisible. Si on n'avait que les sens, si on n'avait pas construit à partir des sens un imaginaire, on serait dans l'immédiat. On ne pourrait pas imaginer ce qu'on a fait hier. On ne pourrait pas imaginer ce qu'on va faire demain. On ne pourrait pas voir l'espace de petit déjeuner si on n'avait pas construit cette capacité à fabriquer des images mentales. Ça veut dire que ça nous décolle aussi de la réalité. Ça cimente nos relations sociales. C'est parce que nous partageons un imaginaire que nous pouvons nous comprendre. C'est aussi parce que nous ne partageons pas le même imaginaire que nous pouvons nous entretuer, en pensant que chacun a la bonne vision du monde, alors qu'on est tous que dans des visions du monde. Et l'imagination apprivoise l'idée de la mort et du temps qui passe. En fait, c'est là-dessus, c'est sur cette première grande angoisse qu'est née l'imaginaire chez l'espèce humaine. La découverte et la croissance du sentiment d'inquiétude vis-à-vis de la mort de ses congénères, au moins depuis Néandertal. La trace la plus ancienne de l'existence de notre imaginaire, c'est la sépulture. La sépulture, c'est quoi? C'est se dire qu'il existe autre chose après le perceptible. Et donc, c'est construire une vision de ce qui ne se perçoit pas, de ce qu'il y a après, de ce qu'on ne voit pas. Et là-dessus se sont développés toute la mythologie, tous les mythes, pour expliquer l'existence humaine, pour expliquer pourquoi un volcan explose, pourquoi il pleut, pourquoi une fleur pousse, pourquoi des arbres, pourquoi des animaux. Puis des mythes, on en est arrivé au sacré et puis à notre société d'aujourd'hui. Les sens nourrissent l'imagination, c'est à partir de notre expérience sensorielle que là-dessus on va construire des ateliers de fertilisation d'imagination, sans doute ce que vous utilisez, mais les deux sont liés. Hein, c'est à partir des sens qu'on peut construire un imaginaire. Et donc, atelier artistique et participation des artistes à l'éducation à l'environnement fertilisent justement cette imagination à partir de nos perceptions. Grâce à l'imagination, on peut entrer aussi dans la conscience poétique du monde. Si on la décrit pas seulement, mais on va au-delà de ce que le monde nous dit. On construit le monde par l'imagination. Sauf que c'est pas si simple, parce que sa forme en est formée de trois imaginaires. René Barbier, prof de sciences de l'éducation, sociologue des sciences de l'éducation, repérait trois imaginaires, l'imaginaire sacral, l'imaginaire pulsionnel et l'imaginaire social. L'imaginaire pulsionnel, c'est celui qui vient de nos pulsions individuelles, notre relation à la vie, à la mort, à la vie quotidienne, ce qui nous pousse, nous, individuellement, à vivre. L'imaginaire social, c'est ce qu'on va se partager à l'échelle d'une société. L'imaginaire social occidental n'est pas le même que l'imaginaire social oriental. N'est pas le même que l'imaginaire. Il y a des grandes sociétés, il y a des micro-sociétés, il y a des communautés. Chacun se construit son imaginaire grâce auquel il va pouvoir s'entendre. Et puis, venu du fond des temps, il y a l'imaginaire sacral, celui des archétypes,
celui qu'on se transmet de génération en génération au fur et à mesure des cycles de vie, depuis les toutes premières traces de l'imaginaire. C'est celui qu'on retrouve dans les mythes, c'est celui qu'on retrouve dans les rites, c'est celui qu'on retrouve dans les religions, c'est celui qu'on retrouve dans la philosophie, et qui se traduit aujourd'hui encore dans notre monde artistique, dans notre monde culturel, qui garde trace. Et il se pourrait bien aujourd'hui que l'imaginaire sacral et l'imaginaire social se contrarient, se contredisent. L'imaginaire sacral est basé, lui, il s'est construit sur trois grandes interactions fondamentales. Le geste de se redresser, l'être humain s'est redressé un jour et se tenir debout a fabriqué notre imaginaire. Hein, c'est toujours issu justement de la posture du corps, des gestes. Se tenir debout, ça veut dire regarder vers le haut. Il a appelé ça l'imaginaire héroïque, le héros qui se tient debout. Et donc, tout ce qui dans la nature va être élevé, va être en hauteur, va parler à cet imaginaire-là chez nous. Les montagnes, les arbres, le ciel, les nuages, les oiseaux parlent à notre imaginaire héroïque, nous aident à nous tenir debout. J'ai pu observer ça chez les enfants qui travaillaient devant des arbres. L'autre grand geste, c'est se nourrir et écouter. Donc ça va être le mouvement inverse. Au contraire, on va être là, le repli sur l'intériorisation, sur ce qui va être dans l'enfermement. Ça veut dire que tout ce qui est dans la nature va nous impliquer, va nous proposer le repli sur soi, va parler à cet imaginaire-là chez nous. Les grottes, les lits, les fonds de rivière, les fonds marins, les coquilles, les maisons parlent à cet imaginaire-là. Mais on est toujours relié par cet imaginaire à ces mouvements et à ces formes de la nature. Et le troisième imaginaire, c'est l'imaginaire synthétique, qui est celui de la reproduction sans lequel on n'existerait pas. Et la reproduction, vous voyez, je fais le mouvement des cycles. Et donc tout ce qui dans la nature va tourner, va changer régulièrement les périodes, les saisons, les années, la végétation, tout ce qui va mourir, revenir avec une suite, va parler à cet imaginaire-là. On est encore imprégné de ça. Vous testerez lorsque vous irez dehors. Vous testerez si les arbres vous aident à grandir. Ou si au contraire vous avez envie de faire la cabane entre deux branches, dans plutôt l'imaginaire synthétique. Ou si vous regardez plutôt les cycles dans les arbres. On est parfois d'un imaginaire plus que d'un autre, mais ça change en fonction de nos humeurs, en fonction de nos vies. C'est plus prégnant chez des gens qui aiment la nature. On peut plus facilement voir que c'est encore prégnant dans nos cerveaux, un petit peu moins pour ceux qui sont détachés de la nature. Et en même temps, par exemple, c'est pas au hasard si on fait encore des flèches d'église qui tirent vers le haut. C'est pas au hasard encore si nos tours veulent être les plus hautes que les autres. On est encore dans nos sociétés dans une espèce d'imaginaire héroïque qui va faire qu'on voudrait toucher les doigts de pied des dieux. Mais contre ça, un peu, notre imaginaire social, eh bien, il essaie de nous en couper de ce rapport à la nature. Hein, on est dans un rapport à la nature qui est plutôt maîtrisé, comme je disais, séparé, et anxieux. Ce qui fait qu'on réduit ce qui nous reliait auparavant à la nature par ces grands gestes-là, en provoquant justement la rupture avec tout ça. On voit bien dans les forêts. Hein. Dans les forêts, maintenant, il nous faut des poubelles, il nous faut des sentiers balisés, il nous faut parfois des zones de barbecue. On grimpe plus dans les arbres comme ça, on y met des cordes, tout est aménagé pour faire comme si. Mais c'est que comme si. Et quand on n'a pas ça, on se perd et on a peur dans la forêt. Évidemment, on n'y va plus en dehors de ces installations-là. Et les sens vont aussi nourrir le savoir, bien sûr.
Le fait d'aller apprendre directement au contact des choses, des éléments, des êtres vivants, eh bien ça va poser le questionnement, ça va développer la curiosité. Le savoir va prendre sens parce qu'on va savoir ce qu'on a envie d'apprendre. On a envie de comprendre comment ça marche parce qu'on a d'abord observé sur site. Ça développe plus facilement un rapport heureux au savoir. Travail à partir des sens. Et ça, ça nous permet d'aller jusqu'au vouloir agir, si on combine tout ça. Le vouloir agir, avant le pouvoir agir, est encore autre chose. Et le savoir agir, sur lequel il faut aussi apporter une autre éducation. Le vouloir agir, en fait, est un mouvement qui part du corps, qui part des sens, à partir de l'expérience sensible, deux voies possibles, qui peuvent être interconnectées, hein. La voie des images mentales plutôt créatrices, poétiques, artistiques, la voie des représentations mentales plutôt scientifiques, notionnelles, et c'est de ces trois mouvements-là que peut se développer l'engagement. Le désir d'agir vient du corps, il ne vient pas de « je vais analyser si j'ai envie de m'impliquer ». C'est un désir, c'est pas quelque chose qui est pensé. Et le désir venant du corps, si on n'a pas travaillé le corps en amont, on pourra y aller pour travailler sur l'envie de s'engager. En résumé, l'éducation sensorimotrice dehors fonde l'éducation relative à l'environnement sur l'expérience concrète, enrichit la capacité d'appréhender le réel, on ne se sent pas perdu, quand on arrive dans un espace nouveau avec des informations différentes, nourrit le monde intermédiaire des images mentales, développe des identités écologiques dans le sens logique de l'habitat. Je me sens habitant du monde, oikos, et prépare le terreau du vouloir et du savoir agir. Je vous remercie.